إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله la série Les premiers pas du nouveau musulman. On s'est arrêté le dernier cours sur ce qui concernait différents compléments du sujet de la prière. Et donc aujourd'hui, on va terminer ce chapitre sur la prière, sur ce pilier de l'islam, en rappelant ce qu'on doit savoir en tant que musulman sur la prière funéraire. La prière funéraire. Lorsqu'une personne, elle est mourante, elle est en train de mourir, il faut savoir qu'il est légiféré de lui faire répéter « La ilaha illallah » conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Faites répéter La ilaha illallah » à vos morts. À vos morts, bien entendu, aux mourants, ceux qui agonisent et dont les signes d'une mort proche sont percevables. Lorsqu'ensuite on s'est assuré de la mort de la personne, qu'il a quitté cette vie pour la vie de l'au-delà, et on sait que la première étape dans la vie de l'au-delà, c'est la tombe, alors on lui ferme les yeux et on lui serre les mâchoires, conformément à ce qui était rapporté dans la sunna. Ensuite, on lave le musulman qui vient de mourir, sauf dans le cas de celui qui est mort en plein champ de bataille, à Shahid. Car le martyr, on ne la lave pas et on l'enterre dans ses habits, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons qui sont morts sur le champ de bataille lors de la bataille de Uhud. Pour ce qui est du lavage du mort, on lui couvre ses parties intimes, on les lave légèrement et on lui presse le ventre délicatement. Puis celui qui est chargé de le laver s'enroule un tissu sur la main et l'utilise pour lui nettoyer les parties intimes. Puis il lui fait les ablutions comme pour la prière. Les ablutions qui sont connues, qu'on a déjà vues donc, que l'on fait pour se purifier. Puis il lui lave la tête et la barbe, s'il en a, avec de l'eau et du jujubier, ou ce qui va être semblable à cela. Puis il lui lave la partie droite du corps, puis la partie gauche, comme on fait donc durant le roussel. Il répète ainsi l'opération une deuxième fois, puis une troisième fois, en faisant passer à chaque fois sa main sur son ventre. Et s'il en sort quelque chose, alors il le lave et bouche les orifices naturels avec du coton ou autre. Ensuite, il lui refait les ablutions. Si trois fois ne suffisent pas à le nettoyer, il le lave jusqu'à cinq ou sept fois. Puis il l'essuie avec une serviette et lui parfume les aisselles et les membres sur lesquels il se prosternait. Donc le visage qui comprend le nez et le front, les mains, les genoux et les pieds. Donc les sept membres qui sont connus, sur lesquels le musulman doit se prosterner. Mais s'il lui parfume tout le corps, c'est encore mieux. Et il parfume également son linceul. Donc le drap dans lequel il va être enveloppé, son linceul, il le parfume avec de l'encens également. Et également, on observe pour le mort ce qui est en relation avec la fitra, la saine nature. Comme on l'a déjà vu dans un cours, on a expliqué en détail ce qu'était al-fitra. Et donc ses moustaches, ses ongles, s'ils sont trop longs, on les coupe. C'est un mieux. Pour ce qui est de la femme, on lui noue les cheveux en trois tresses qu'on lui met ensuite derrière la tête. Ça donc c'est pour le lavage. Ensuite, lorsqu'on enveloppe le mort, le corps du mort dans son linceul, et il est préférable de l'envelopper dans trois pièces de tissu blanc, sans chemise ni turban, conformément au linceul dans lequel a été enveloppé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le mieux, de ne pas porter chemise ou turban. Par ailleurs, s'il porte une chemise et un pagne, puis enveloppé dans un grand drap, il n'y a pas de mal. Quant à la femme, elle est enveloppée dans cinq pièces de tissu. Donc elle, c'est cinq pièces de tissu.
une chemise, un voile, un pagne et deux grands draps. Pour ce qui est du petit garçon, il est enveloppé dans un linceul constitué d'un à trois tissus. Et pour ce qui est de la petite fille, elle est enveloppée dans une chemise et deux draps. Et pour tous, un linceul, au minimum, est obligatoire, couvrant tout le corps. C'est le minimum. Également un cas qui est spécial, lorsque la personne elle meurt et qu'elle est en état de sacralisation. Pour elle donc, il sera lavé avec de l'eau et du jujubier et sera enveloppé dans ces deux morceaux de tissu de l'ihram, c'est-à-dire l'habit de sacralisation ou autre. Donc dans lequel il était initialement, lorsqu'il était en état d'ihram. Et sa tête et son visage ne seront pas couverts et il ne sera pas parfumé, car il sera ressuscité en prononçant la talbiya, comme cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, pour ce qui est de la femme qui, elle, est en état de sacralisation, elle sera enroulée dans un linceul comme une femme ordinaire. La différence, c'est qu'elle ne sera pas parfumée, son visage ne sera pas couvert d'un niqab et ses mains ne seront pas gantées. Pour autant, son visage et ses mains seront entièrement couverts par son linceul. Donc ici, c'est par le linceul. Maintenant, connaître les personnes qui sont prioritaires pour laver le défunt. Prier sur lui et l'enterrer sont, donc dans l'ordre, celui qu'il a recommandé dans son testament. Donc celui, le défunt, il a recommandé des personnes dans son testament. Ce sont donc ces gens-là qu'il aura recommandé dans son testament qui devront donc le laver. Puis, s'il n'y a pas eu de recommandation, alors c'est son père, puis son grand-père, puis de proche en proche parmi les hommes qui descendent d'une même souche masculine, donc de la famille. Ça, c'est pour le défunt homme. Et pour la défunte, la femme, également celle qu'elle a recommandée dans son testament. Puis sa mère, puis sa grand-mère, puis de proche en proche parmi les femmes de sa famille. Et il faut savoir que chacun des époux a le droit de laver son conjoint. Car Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, a été lavé par son épouse. Et Ali, radiallahu ta'ala anhu, a lavé son épouse Fatima, radiallahu ta'ala anha. Ça donc, c'est pour le lavage. Ensuite, il vient la prière funéraire. La prière funéraire, elle est fardun kifaya, fardun kifai. C'est-à-dire que s'il y a un minimum de personnes qui prient, alors les autres ne seront pas obligés de prier. Il faut qu'il y ait un minimum de personnes donc qui vont prier sur ce mort. Et donc la première chose que l'on fait lorsqu'on commence cette prière, on dit donc le takbir, comme on le fait pour la prière normale. Donc en levant également les mains au niveau des épaules, au niveau des oreilles, comme on l'a vu dans la description de la prière. Et ensuite, on récite surat al-Fatiha, également comme on le fait pour la prière ordinaire. Et il est préférable de la faire suivre par une courte surat, ou quelques versets. Ensuite, on fait un deuxième takbir. Pour la plupart des gens qui vont se trouver donc derrière l'imam, ils suivent l'imam, comme on fait donc pour la prière normale. Donc ensuite, c'est le deuxième takbir. Et après ce deuxième takbir, toujours en levant donc les mains au niveau des oreilles, au niveau des épaules, on formule la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le fait donc durant la prière normale, durant le tashahhud, comme on l'a appris. Ensuite, il vient le troisième takbir. Et on fait comme on a fait au premier et au deuxième. Et ensuite, on va dire des invocations pour le mort ou pour les morts. Donc ces invocations, on a le droit d'invoquer de manière générale pour le mort, pour qu'Allah lui facilite, etc. Mais il est préférable de dire les invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces invocations, celle qu'on va citer, qui est bien d'apprendre et de savoir, et qui est la suivante. Donc je dis en arabe et que je traduis également. Allahumma aghfir li hayyina wa mayyitina.
Allahumma, ô mon Seigneur, ou ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts. Wa shahidina wa ghaibina, aux présents et aux absents. Wa sagirina wa kabirina, aux vieux et aux jeunes. Wa dhakarina wa unthan, aux hommes et aux femmes. Allahumma, man ahyaytahu minna fa ahyi ala l'islam. Ô Allah, celui d'entre nous que tu maintiens en vie, fais-le vivre sur la voie de l'islam. Et celui dont tu as pris l'âme, fais-le mourir dans la foi. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, accorde-lui le salut, efface-lui ses fautes, assure-lui une noble demeure et élargis sa tombe. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. Lave-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle, et nettoie-le de ses péchés et de ses fautes, comme on nettoie le vêtement blanc de ses impuretés. وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه. Donne-lui en échange une demeure meilleure que la sienne, une famille meilleure que la sienne et une femme meilleure que la sienne. Fais-le entrer au paradis et protège-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Élargis-lui sa tombe et illumine pour lui sa tombe. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après sa mort. Ça donc, c'est l'une des douas que l'on dit et qui est complète pour le mort. Et ensuite on fait un quatrième takbir. Donc on a fini les douas, ou la doua, on fait un quatrième takbir, et qui est le dernier, comme on a fait pour le premier, le deuxième et le troisième. Et ensuite on salue, donc à taslim, à la différence que c'est une seule fois sur sa droite. C'est-à-dire qu'on salue uniquement à la droite. Et on ne fait pas également à la gauche, comme l'on fait durant la prière normale. Et bien entendu, durant toute cette prière, il va de soi qu'on est et qu'on reste donc en position debout. Et si c'est une femme, si c'est une défunte, alors pour les doigts, on les fait passer bien entendu au féminin. Allahumma aghfir laha. S'ils sont deux également, dualité. Allahumma aghfir lahuma. Et s'ils sont plusieurs, c'est le pluriel. Et s'il s'agit d'un enfant, alors en lieu et place de la demande de pardon, on dit Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi. وَشَفِيعًا مُجَابًا اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينِهِمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا وَالْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Ô Allah, fais qu'il soit un prédécesseur, une épargne et un intercesseur exaucé pour ses parents. Ô Allah, alourdis par lui la balance de leurs bonnes actions et accroît leur récompense. Réunis-le avec les croyants pieux et mets-le sous la tutelle d'Ibrahim alayhi salam, et protège-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. Pour ce qui est de la position de l'imam, il se tient au niveau de la tête du défunt si c'est un homme, et au niveau du milieu du corps si c'est une femme. Et s'il y a plusieurs défunts, on place le corps de l'homme juste avant ou juste devant l'imam. On place le corps de l'homme juste devant l'imam et celui de la femme plus en avant en direction de la Qibla. Et s'il y a des enfants, on place le jeune garçon avant la femme, puis la femme, puis la jeune fille, en plaçant la tête du garçon au niveau de celle de l'homme, le milieu du corps de la femme au niveau de la tête de l'homme, puis la tête de la petite fille au niveau de la tête de la femme et le milieu du corps de la petite fille au niveau de la tête de l'homme. Ça, c'est ce qu'on doit respecter donc pour le mort. Et ensuite il vient donc
l'enterrement. Et ce qu'il faut savoir pour l'enterrement, c'est qu'on doit creuser profondément dans le sol une profondeur égale à la mi-hauteur d'un homme. Qu'on fait des tombes latérales du côté de la Qibla. On introduit le mort dans ce creux latéral sur son côté droit. On dénoue les liens du linceul qu'on laisse sur place. On ne découvre ni le visage de l'homme ni de la femme. Puis on bouche la fosse de briques naturelles, non cuites au feu, qu'on cimente avec de l'argile pour que le sable ne puisse s'introduire. S'il n'y a pas de briques, on bouche la fosse avec des planches de bois ou des pierres ou tout autre matériau. Ensuite, on couvre le trou avec de la terre. Et à ce moment-là, lorsqu'on a enterré la personne, il est recommandé de dire « Bismillah wa ala millati rasulillah » au nom d'Allah et selon la religion de l'envoyé d'Allah. On surélève la tombe de la surface du sol d'un empan. Si c'est possible, on entrepose des cailloux par-dessus et on asperge dessus d'eau. Donc tout ça, ça fait partie de la sunna. Et il est recommandé à ceux qui assistent à un enterrement de se tenir debout près de la tombe et d'invoquer Allah pour le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de l'enterrement d'un musulman, se tenait debout devant sa tombe. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, priez pour l'absolution de ses péchés ou des péchés de votre frère et demandez à Allah de le raffermir car il est en ce moment en train d'être questionné. Donc les questions qui vont être posées par les anges, comme on l'a vu également dans les cours de croyance. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas légiféré que la famille du défunt prépare le repas aux gens. Quant à la préparation du repas pour la famille du défunt et pour leur hôte, elle est autorisée. Donc, pour leur faciliter la tâche, pour les apaiser dans leur douleur, dans leurs préoccupations. Et le dernier point qu'on cite par rapport à ce sujet, par cela on clôture ce qui est en relation donc avec la prière, c'est qu'il est mashrou'a, il est donc légiféré aux hommes de visiter les cimetières. Il est légiféré aux hommes de visiter les cimetières de temps à autre. Et ceci pour invoquer en faveur du mort et pour se rappeler de l'au-delà. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Rendez visite aux morts, car cela vous rappelle l'au-delà. » Donc la personne, uniquement, elle invoque pour le mort. Elle fait des invocations pour le mort. La demande de pardon, la demande de la miséricorde d'Allah azzawajal sur lui, uniquement cela. C'est uniquement cela qui est légiféré. Et tout ce qui peut être fait en dehors de cela, autour des tombes, comme la lecture du Qur'an, certaines sourates comme sourate Yassine, ou pire encore, lorsque les gens vont auprès de ces tombes, mais pour invoquer Allah pour eux, ou pour ceux qu'ils ont besoin, en se plaçant devant ces tombes, croyant qu'il y a ici barakatun, une bénédiction. Tout cela donc, ça rentre dans l'innovation. Uniquement, ce qui est légiféré, c'est de se rendre dans les cimetières, de visiter donc ces tombes, de passer devant et d'invoquer pour eux uniquement, rien d'autre. Une simple visite accompagnée d'invocations en faveur due aux démorts. Et pour celui qui visite les tombes, alors il faut savoir qu'il y a une dua héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est la suivante: Assalamu alaykum ahl ad-diyar min al-mu'minina wal-muslimin. Que le salam soit sur vous. Donc ici, assalam, habitant de ces demeures, croyants et musulmans. Wa inna insha'a bikum lahiqun. Bientôt, quand Allah le veut, nous vous rejoindrons. Wa yarhamu Allah al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin. As'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Nous implorons Allah de vous accorder et à nous aussi le salut. Qu'Allah soit miséricordieux envers les premiers et les derniers d'entre nous. Nous implorons Allah de vous accorder et à nous aussi le salut. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Et donc on termine par cela, ce chapitre sur la prière, et qui est donc le deuxième pilier de l'islam. Et ensuite, nous commençons
une brève description pour ce qui est du troisième pilier de l'islam qui est az-zakah, qui est l'impôt rituel. Az-zakah, c'est le troisième pilier de l'islam. Et il est également très important. La preuve de cela, c'est qu'il a été cité à 82 endroits du Coran annexé à la prière. Comme la parole d'Allah Azzawajal, « Wa aqimu s-salah wa atu s-zakah » Dans d'innombrables, dans de nombreux versets du Coran, on retrouve la zakah annexée à la prière. Allah cite en même temps la prière et la zakah pour prouver donc son caractère obligatoire et que le musulman, il n'a pas le droit de faire la différence entre la prière et la zakah par rapport donc à son accomplissement et du fait de reconnaître donc son caractère obligatoire. Ce pilier, il était rendu obligatoire en l'an 2 de l'Hégire. Et c'est un des droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a sur le musulman. Le musulman doit s'en acquitter au bénéfice de ceux qui en ont besoin, comme les nécessiteux, comme les pauvres, et ceci afin de leur épargner l'humiliation de la mendicité. Et son institution entraîne de nombreux bienfaits, comme la purification de l'âme du musulman riche, de la cupidité, de l'avarice, du vice de la convoitise, de l'amour des biens de ce monde et de l'habitude de s'adonner aux plaisirs terrestres. Elle purifie également le cœur des nécessiteux et des pauvres de la haine, de la rancune et de la jalousie vis-à-vis des fortunés lorsqu'ils constatent que ceux-ci prélèvent de leur richesse ce qu'Allah leur a prescrit et qu'ils prennent ainsi soin d'eux. Également, elle promue chez le musulman les vertus telles que la charité, le don et l'abnégation. Elle contribue à l'éradication de la pauvreté dans la société musulmane, la diminution des risques de vol ou atteinte à l'honneur, et ravive l'esprit de solidarité sociale entre les musulmans en répondant aux besoins de l'islam et des musulmans. Et également, elle favorise la diffusion de la prédication islamique en faisant prendre conscience aux musulmans des atouts de leur religion et en montrant la beauté de l'islam aux non-musulmans avec l'espoir qu'ils se convertissent. Pour ce qui est de az-zakah, pour qui c'est obligatoire az-zakah, quelles sont les conditions de cette zakah, de cet impôt rituel? Elle est donc obligatoire chez toute personne qui est libre et musulman. Donc ici deux conditions, libre et musulman. Elle est obligatoire lorsque les biens de l'individu atteignent le seuil imposable, ce qu'on appelle en arabe an-nisab, à partir duquel les richesses sont assujetties à la zakah. Et pour ce qui est de an-nisab, donc le seuil imposable, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. Donc l'équivalent de 85 grammes d'or, la personne, c'est en possession de 85 grammes d'or, alors à ce moment-là, elle doit payer la zakah, en prenant en considération la condition suivante qu'on va bien entendu citer. Et lorsqu'on dit qu'elle devient imposable sur cette somme-là, c'est une fois bien entendu que les besoins vitaux sont satisfaits, à savoir la nourriture, l'habillement, la boisson et l'habitation, tout ce que l'homme il a besoin pour vivre donc dans cette vie. Et bien entendu, an-nisab, il concerne également les animaux que l'on possède, il concerne également ce que l'on peut tirer de bénéfices de nos champs. À la kulli hal, sans rentrer dans tous les détails de ce qui va être imposable, il faut savoir donc que celui qui va posséder par rapport donc au bien 85 grammes d'or, il doit donc verser la zakah. En prenant en considération donc la prochaine condition qui est la suivante, c'est ce qu'on appelle le haoul. Une année complète doit s'être écoulée depuis l'acquisition de cette richesse. C'est-à-dire au moment donc où la personne a atteint cette richesse, qui est l'équivalent de 85 grammes d'or, à ce moment-là donc, s'il y a une année complète qui est passée sur cette somme-là, et qu'il détient donc cette somme-là en économie, alors à ce moment-là, il devra appliquer sur ce bien la zakah, et lui appliquer un taux qui est de 2,5%. Un taux qui est de 2,5%.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les biens qui sont acquis en vue d'un usage personnel, non destiné au commerce, comme les maisons d'habitation, les meubles de la maison, les voitures et les bêtes de somme, donc les bêtes de somme, ne sont pas assujettis à la zaka. Également, ce qui est acquis en vue d'être loué, comme les voitures, les boutiques et les maisons, n'est pas directement soumis à la zaka, mais en revanche, les revenus tirés de ces locations peuvent l'être s'ils atteignent à eux seuls ou associés à d'autres revenus le seuil imposable, an-nisab, si cette somme, bien entendu, est épargnée depuis au moins un an. Et lorsque une année est passée sur cette somme-là, depuis que la personne l'a atteint an-nisab, il faut s'en acquitter immédiatement. C'est-à-dire que la personne n'a pas le droit de traîner quant au paiement de cette zaka. Lorsque, le jour même où l'année complète est passée, la personne, elle doit payer sa zaka. Et dans cela, il y a un grand bien. Et s'il ne le fait pas, il y a également un grand mal. Si on prend en considération le besoin du pauvre, s'il retarde, alors cela va impliquer un préjudice au pauvre qui lui en a besoin au plus vite. Également, si cette personne retarde et ensuite il est ruiné ou alors il meurt, alors il reste quand même imposable par le paiement de la zaka. Il doit payer cette zaka. Et même s'il meurt, de ce qu'il aura laissé donc en héritage, on va prendre de son argent pour payer la zaka. Également, ça va lui permettre donc de s'éloigner de l'avarice. Parmi ceux qui sont imposables, et ça, il est également important de le souligner, c'est également sarir, c'est-à-dire l'enfant. Même l'enfant, petit qu'il soit, s'il a un bien, il a par exemple reçu un héritage ou quoi que ce soit, alors il est également imposable. De même, el-majnoun, celui qui est fou, donc la personne qui est responsable de ces gens-là, donc le petit, l'enfant, ou alors celui qui n'a pas sa raison, alors il doit, sur l'argent qu'ils ont, si bien entendu ils sont imposables par les conditions de la zaka, alors ils doivent sortir pour eux la zaka. Pour ce qui est du paiement de la zaka, le mieux, c'est de payer ou de donner cet impôt aux pauvres de son pays, du pays où l'on vit, c'est-à-dire le plus proche de sa région ou alors de son pays. Mais dans certains cas, il est permis de sortir cette zaka et de la verser à d'autres pays s'il y a un intérêt religieux. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est pour qui a droit à cette zaka. Et naam, ça c'est une question importante. Qui a droit à cette zaka? Qui je dois donner cette zaka lorsque je suis imposable? Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a cité ceux qui sont bénéficiaires, les ayants droit de la zaka, qui est le verset suivant: Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Les sadaqa. Donc ici, al-maqsoud, c'est az-zaka, c'est-à-dire donc l'impôt rituel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va désigner les catégories de gens. Et ici, le terme innama dans le Coran, yufid al-hasr, c'est-à-dire donc c'est exclusivement pour ces gens-là, et qu'on n'a pas le droit de donner la zaka à d'autres gens que ces gens-là qui sont cités dans le Coran. Donc ça, c'est important à savoir. Donc les sadaqas sont uniquement destinés aux pauvres, aux indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Donc on va détailler pour ces gens, savoir à qui on doit donner la zaka. Le premier qui a été cité, la première catégorie, ce sont les fuqara. Ce terme, on peut le traduire par les pauvres, les nécessiteux, les indigents. Ce sont des gens qui ne trouvent pas assez pour pouvoir vivre. Et lorsqu'on dit pas assez, on pourrait dire également pas du tout.
et qui n'ont pas la possibilité d'acquérir un salaire, alors à ces gens-là, on leur donne la zaka. Soit on leur complète le bien qu'ils ont pour pouvoir vivre une année complète, et s'ils n'ont pas du tout, rien du tout, on leur donne donc totalement ce qu'ils vont avoir besoin pour une année complète, pour pouvoir vivre dignement. Ensuite, al-masakin, c'est la deuxième catégorie, qu'on peut traduire également par pauvre ou nécessiteux. Et ici, c'est celui qui trouve presque, on dit presque, suffisamment pour vivre du minimum, et non la totalité. C'est-à-dire que lui, il a un rang au-dessus de ce qu'on appelle al-faqir. Al-miskin, il a un rang au-dessus de celui qu'on appelle al-faqir. C'est-à-dire que lui, il a plus de biens, mais toujours pas suffisant pour pouvoir vivre totalement durant une année. Donc à lui, on lui donne également pour compléter donc ce dont il a besoin. Ensuite, al-amiluna alayha, c'est ce dont qui rassemble les zakats. C'est-à-dire donc il faut des gens. Il faut bien donc des gens pour rassembler les zakats qui vont prendre les biens des gens, qu'ils les réunissent, qu'ils les conservent et qu'ensuite qu'ils les redistribuent aux ayants droit. Donc ces gens-là, s'ils n'ont pas un salaire qui est donné par le gouvernement, alors, s'ils n'ont pas un salaire, ils doivent prendre de, pour vivre bien entendu, de ce métier-là, ils doivent prendre de la zaka. Et s'ils ont un salaire, ils n'auraient pas permis de prendre de la zaka. Ce sont bien entendu des gens qui sont habilités par le dirigeant des musulmans. Ensuite, al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum sont ceux dont on veut gagner les cœurs. Ce sont ceux dont on veut gagner les cœurs. Il y a ici deux catégories. Deux sous-catégories. Le musulman et le mécréant. Pour ce qui est du musulman, c'est par exemple celui qui vient de rentrer dans l'islam, qui est nouveau dans l'islam, alors pour le renforcer dans sa foi, on lui donne des biens de la zaka. On lui donne des biens de la zaka. Donc il va trouver un appui, un don généreux, fraternel de la part de ses frères, et ça, ça va le renforcer dans sa foi. Il va trouver donc un appui, un soutien de la part de ses frères en islam, et ça, c'est une des raisons pour fortifier sa foi. Donc c'est pour ça que on va lui donner ce bien. Mais il faut savoir que cela est uniquement en cas de besoin. Lorsqu'on voit que le musulman il est faible ou qu'il a besoin de cela pour pouvoir le fortifier dans sa foi. Sinon cela peut-être on peut s'en abstenir. Et c'est pour ça que comme cela a été rapporté dans plusieurs athars, que du temps de Omar, de Othman et de Ali, ils avaient délaissé le fait de donner donc de la zaka pour pouvoir attendrir les cœurs, pour pouvoir gagner les cœurs. Car à ce moment-là, durant leur règne, ils n'en avaient pas besoin. Donc ça, c'est en cas de besoin. Et la deuxième catégorie, c'est le mécréant. Et le mécréant, c'est dans deux cas qu'on va lui donner. Si on sent de lui, si on ressent de lui un désir de se convertir, un souhait de se convertir, alors cette personne-là, également, si on voit qu'il y a un intérêt de lui donner de l'argent pris de la zaka pour lui montrer donc la fraternité qu'il y a en islam et que cela se traduit également par le matériel pour gagner son cœur, donc ici également c'est légiféré de lui donner des biens de la zaka. Le deuxième cas ici c'est le contraire, c'est dans le cas de se protéger ou de protéger les musulmans du mal ou de l'agression qui peut advenir des mécréants. Donc il se peut qu'on va donner la zaka à ces gens-là pour pouvoir se protéger de leur agression dans le cas de la faiblesse des musulmans. Également, ça c'est un cas où il est légiféré, où les savants de l'islam ont parlé sur cela. Ensuite, la cinquième catégorie, al-riqab, ici donc qui est l'affranchissement des esclaves. C'est-à-dire donc, s'il y a possibilité d'affranchir un esclave,
en donnant ou en payant donc la zakat, alors on le fait. Et bien entendu ici, ça advient dans le cas de ce qu'on appelle mukatab, celui qui a écrit donc un contrat entre lui et son maître, dans lequel donc il va mentionner une somme convenue qu'il va donner à ce dernier pour qu'il devienne libre. Donc on l'aide dans cela en lui donnant donc les biens de la zakat pour qu'il trouve sa liberté. Donc on voit ici que l'islam, elle a motivé les gens, les musulmans, à retrouver la liberté ou à faire retrouver la liberté aux esclaves par ce moyen donc de paiement de la zakat. Ensuite, Al-Madine, celui qui est endetté. Celui qui est endetté. Donc celui qui est endetté, qui a une dette qu'il ne peut donc pas, qu'il a uniquement de quoi vivre et qu'il ne peut pas rembourser donc sa dette, alors à ce moment-là, lui aussi, il a le droit à la zakat. Le septième, c'est fi sabilillah. Et ici, fi sabilillah, comme les savants l'ont expliqué, ça concerne ici, donc dans la voie d'Allah, ça concerne le combat. Donc ça concerne la guerre. Donc ici, c'est bien précis, fi sabilillah. Ça concerne donc le combat, la guerre. Ce qui veut dire que durant une guerre qu'il va y avoir, il est également légiféré de donner de la zakat aux soldats qui vont partir donc pour combattre. Ceux bien entendu qui ne reçoivent pas un salaire de l'État. Pour ceux qui reçoivent un salaire de l'État comme soldats, comme guerriers, ça c'est autre chose. Mais ceux-là donc qui vont se joindre par exemple aux soldats de l'État pour donc combattre, alors à ce moment-là qu'ils n'ont pas donc les moyens pour cela, il est légiféré de leur donner également la zakat. Ensuite, le huitième et le dernier, Ibn Sabil, c'est-à-dire le voyageur. Il est voulu par cela donc le voyageur. C'est tout simplement la personne qui, durant son voyage, à cause des dépenses qu'il a fait, ou alors s'il a perdu ses biens durant son voyage, et qu'il ne peut continuer son voyage faute de biens, alors à ce moment-là, cette personne-là, il est permis que l'on donne, donc il est légiféré qu'il reçoive min zakat al-mal pour qu'il puisse terminer son voyage. Et ici un point qu'on cite, c'est que, à titre d'exemple, comme le voyageur, comme le soldat ou alors comme l'endetté, ces gens-là, lorsqu'ils ont pris la zakat, et s'il leur reste, après avoir donc combler leurs besoins, s'il reste de l'argent de cette zakat, ils doivent rendre cet argent de cette zakat qui reste, pour qu'ensuite ça soit redistribué. Se peut que l'endetté, on lui a donné une somme d'argent, et que ça lui a suffi pour rendre ses dettes, et qu'il reste encore de l'argent dessus. Cet argent, il doit la rendre donc, pour que ça soit redistribué à ceux qui en ont droit. De même le voyageur, il se peut qu'on lui ait donné une somme, et il a eu largement assez pour finir son voyage, et il lui reste encore de l'argent, et également il redonne cet argent dans le système de la zakat. Et comme on a dit, donc la zakat, c'est aussi un grand chapitre dans la jurisprudence. Il faut savoir qu'on a cité, par rapport à ce qui était, on va dire, le plus courant, mais que la zakat, elle demande également, comme je l'ai dit en début de cours, elle est sortie de ce qu'on appelle bahimatil an'am, donc des catégories, certaines catégories donc d'animaux, tayyib. Et également, dans ce qui ressort de ce qu'on peut cultiver, comme al-huboub, etc. Donc tout ce qui est dans le domaine de ce que l'on peut donc conserver, à titre d'exemple, donc les dattes, al-huboub, c'est-à-dire donc tout ce qui est des graines, blé, etc., al-asal, le miel, etc. Donc également ici, il y a des règles à connaître, à savoir. Ala kulli hal, ça ensuite, on rentre dans la jurisprudence et on revient donc au chapitre qu'ont écrit les savants, les jurisconsultes à ce propos. On s'arrête ici, inshallah ta'ala. Subhanaka Allahum bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.